Bonjour à tous. Je fais des essais du micro, les amis. Les essais du micro. J'essaye les micros. Tout à l'heure, il y avait un truc qui marchait pas. Est-ce que ça fonctionne ici là? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut avoir les courses, tout ça? On a les pronos du quintet. Faut que je me connecte. Je vais me connecter à PMU pour voir les pronos du quintet, ce qu'ils proposent pour aujourd'hui. Gagner des paris offerts chaque jour. Laissez-vous tenter pronos Joker. Qu'est-ce que je peux mettre? Ils font pas voir de vidéo là. Alors, comment jouer à la ligue hippique? Découvrir la centrale des courses, jouer. C'est quoi celui-là? Jouer à la ligue quintet du 16-9. Les tendances des 10 meilleurs pour le quintet du 16-9. 15-9 As, 6-5. On peut peut-être jouer les numéros d'hier au quintet, hein, en 2 sur 4. Peut-être ça va être sympa. Hein. Peut-être on va être payé 3 fois en 2 sur 4 avec les 5 numéros du quintet d'hier. Renégat expert trop orienté pour les gains. Me propose en pari simple 13, 11, 4, 5, 6. Belkacem expert trop orienté 6, 15, 7, 9, 4. Les pronos 15, 7, 15, 5, 7, 6, 3, 15, As, 9, 10, 13, 7, 15, 3, 12, 5, As, 12, 7, 9, 7, 9, 15. Les pronos du quintet, mais les tendances de la communauté, 15, 6, 7, 9, 12. Les tendances des 10 meilleurs pronostiqueurs du mois, 15, 9, As, 6, 5 pour le quintet d'aujourd'hui. On avait hier 9, As, 6, 5. On peut remettre le quintet d'hier, hein. Peut-être, hein. Bêtement. En 2 sur 4, peut-être trio. Pour le quintet. Non. Bon, on verra ça tout à l'heure. Hein. Je vais poster des pronostics sur quelques courses. Là. On va regarder un petit peu le rythme de la journée. On va tirer une conclusion pour le quintet plus tard. Ou peut-être pendant le direct. Bon, là, je vais faire quelques courses. Je mange. Et je suis en vidéo, les amis. A tout à l'heure. Surveillez bien les courses à 6 partants. Hein, avec mes 5 combinaisons essentielles encore pour aujourd'hui. En couplet placé, couplet gagnant. Pour 6 partants, 5, 4, 3, à 6, 2, 4. Peut-être en trio. Peut-être en super 4. En début de journée, il y a des courses à 6 partants. Et sinon, j'ai mes 5 combinaisons essentielles. Hein. 5, 4, 3, à 6, 2, 4. 8, 3, 7, 9, 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15. C'est 5 combinaisons essentielles. Attention pour les courses de 10 partants avec le 10, le 5, le 2 en simple placé. Et sinon, le 6 et le 9 en simple placé sont toujours les numéros les mieux payés. Le 6 et le 9. Donc, essaye de voir s'ils vont faire dans simple placé quoi, dans la course. Pour le jouer. Mais c'est une info. Le 6 et le 9 sont les mieux payés toujours quand ils arrivent en simple placé. Pour les courses entre 10 et 13 partants, hein, on avait beaucoup de 10-5-2 là, 10-5-2 en simple placé. J'ai donné des combinaisons l'autre fois pour les courses à 10 partants seulement, avec 10-5-2 As. Et j'avais sinon 8-3-7-9. J'avais deux combinaisons pour les courses entre 10 partants. Mais est-ce qu'on ne peut pas les faire aussi pour les courses entre 10 et 13 partants? 10, 5, 2 As et 8, 3, 7, 9. Je ne sais pas, on va regarder. On va étudier ça pour l'arrivée aujourd'hui. Si ça se trouve, on a une arrivée comme hier avec les numéros 5, 4, 3 en simple placé, voire gagnant 5, 4, 3. Ou aujourd'hui, alors bêtement, on a les favoris qui vont faire pas mal de. Si on a des favoris à 3-4 euros, des fois il y a une journée, peut-être vers le 15,
du mois là. On a une journée peut-être avec des favoris à 3,4 euros contre 1. 3,4 contre 1. Peut-être qu'ils vont se faire gagnant. Hein. On a une journée qui est agréable pour les gagnants à 3,4 contre 1. En gagnant. Les favoris en gagnant à 3,4 contre 1, ils vont gagner. On a une journée, c'est profitable à ce pari-là. Donc, il y a une journée profitable à un type de pari hein, précis. Hein, puis, ça va durer la journée. Peut-être ça change après le quintet. Il y a toujours un petit changement après le quintet. Il y a toujours, mais c'est pas des grosses modifications, mais il y a toujours un petit changement. Et fais attention hein, quand tu rapportes de beaux gains sur une course. Attention, l'autre course d'après, voire deux courses, une ou deux courses, c'est instable. Hein, ta méthode ne marchera pas. Si tu fais des gros gains sur une course, ta méthode ne marchera pas aussi pour. Si tu fais des gros gains, fais attention quand même à deux courses à côté pour. Ça va équilibrer. Hein, donc ne va pas miser sur une course si tu as déjà gagné sur une belle valeur. Hein. Ça, c'est pas facile à expliquer, mais bon. Tu m'as compris quoi. Allez, bisous, à tout à l'heure.